Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tout simplement préparer ensemble ce qu'on va manger ce soir. Mais je vais préparer avec des produits très spéciaux qui me viennent de chez HelloFresh. Est-ce que vous connaissez HelloFresh? Moi, j'en ai déjà entendu parler, mais d'une manière très vague, jusqu'à ce que HelloFresh me contacte pour me proposer leur box. Franchement, je suis agréablement surprise. Mais je vous dirai pourquoi j'ai dit ça, parce que je le suis vraiment. En fait, HelloFresh, c'est tout simplement un concept qui vous livre des box repas chez vous pour vous permettre de réaliser vos délicieuses recettes avec des ingrédients frais et des qualités. En fait, c'est sous forme d'abonnement. Lorsque vous enregistrez via leur application ou leur site, vous vous enregistrez, ensuite vous faites votre abonnement et par la suite vous recevrez des recettes pour toute la semaine et vous choisissez en fait les recettes qui vous font envie. Et cet abonnement, en fait, ce qui est bien, c'est vraiment un abonnement sans engagement. C'est-à-dire que vous pouvez le suspendre à tout moment et même vous pouvez aussi suspendre des semaines si vous décidez que cette semaine je ne vais pas recevoir de produits HelloFresh, bah vous n'aurez pas à recevoir de produits de HelloFresh et vous ne payerez pas. C'est vraiment très flexible, c'est ce que j'apprécie le plus. En fait, les repas, c'est vraiment des repas par personne et pour chaque jour de la semaine. Et si vous décidez que dans une semaine ou dans deux semaines, je ne veux pas recevoir des box de chez HelloFresh, vous n'aurez pas de box et vous n'aurez pas à payer. Mais vraiment, l'abonnement est sans engagement. Et en plus, j'ai un code promo. Si vous passez par mon code promo qui est Hello Nana, vous aurez jusqu'à, écoutez bien, moins 80 euros de réduction sur les trois premiers box. Franchement, c'est pas à négliger les filles, hein? C'est pas à négliger. Je vous dis, moi, j'ai été agréablement surprise et j'ai aussi, j'ai été sauvée. Je suis sauvée parce que moi, actuellement, étant mère, étant une influenceuse, étant une épouse, étant entrepreneur, faire à manger, c'est devenu mon combat de la vie. Mais c'est vraiment ça, c'est la réalité. Faire à manger, c'est devenu mon combat de la vie. Et HelloFresh, ils m'ont sauvé la vie. Mais vraiment, je ne dis pas parce que c'est un partenariat, mais ils m'ont vraiment, vraiment sauvé la vie parce que je gagne du temps. Je n'ai pas à me lever le matin, quand je ne fais pas des meal prep, je n'ai pas à me lever le matin et me dire « Ah, qu'est-ce qu'ils vont manger ?» Je commence à réfléchir. Non, HelloFresh, quand tu te lèves, tu as déjà tout parce que les box sont tellement bien préparées. Chaque repas a tous les ingrédients possibles. Bon, à part des petites choses comme d'huile d'olive, des choses comme ça que tout le monde doit avoir chez soi. Mais sinon, vraiment, les ingrédients sont révélés. Visitez en détail, on vous livre tout et vous avez qu'à vous lever le matin, vous prenez le paquet, hop, vous commencez à faire à manger. Moi, ça m'a vraiment sauvé la vie, ça m'a levé d'un poids et ça me fait gagner du temps finalement. Ça me fait gagner du temps parce que en tant que mère, comme je vous ai dit, influenceuse, déjà créer du contenu sur les réseaux sociaux, j'ai YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, vous imaginez les temps que ça me prend. Et en dehors de ça, gérer la maison et en dehors de ça, gérer mon business, j'ai vraiment faire à manger, c'est devenu mon combat. Et heureusement que HelloFresh sont arrivés au bon moment et ça m'a sauvé la vie. Chaque repas est bien dispatché dans les sachets. Non, au niveau d'organisation, il n'y a rien à dire, mais c'est vraiment très très bien fait. Donc on se retrouve maintenant dans les box. Je vais vous montrer le contenu et ensuite on va choisir ce qu'on va manger ce soir et on va préparer ensemble. Alors let's go. Donc voilà, nous voici, c'est ça les box. Moi j'ai pris 4 repas par semaine pour 5 personnes, donc ça fait énorme, c'est assez lourd. Donc là j'ai la box pour 2 personnes. Donc, et du coup, celle d'en bas, c'est pour 3 personnes. Donc voilà, on va les ouvrir ensemble. C'est énorme, hein? C'est des grandes, grandes, grandes boxes. Parce qu'en fait, dedans, c'est bien réparti. Alors, on va les ouvrir ensemble et je vais vous montrer comment c'est organisé à l'intérieur. Bon, ce que je vais faire, je vais déjà déposer. Donc
voilà, ça se présente comme ceci. Et même là, vous avez une note. J'ai une note qui est marquée pour 3 personnes. Donc là, on me dit que cette box ici, c'est pour 3 personnes. Et on a une grande enveloppe à l'intérieur. Et je pense, en fait, c'est les affiches pour les repas. Voilà, on a toutes les affiches pour tous les repas qu'on a choisis. Et derrière, ça nous donne les explications comment préparer le repas, voyez. Donc tout est là, on a même les valeurs nutritionnelles. Donc tout est bien expliqué, c'est vraiment chouette, c'est bien organisé. Donc voilà, là on a un repas, deuxième repas, troisième repas, quatrième repas. Je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça me fait trop envie, regardez. C'est trop bon, ça a l'air trop bon. Donc, j'ai choisi les burgers. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, voilà. Ça se présente comme ceci, vous voyez. Donc, on a tout. On a les carottes. On a les sachets de pommes de terre. Là, on a le pain pour les burgers. Et voilà, il y a plein de choses. On a tout l'ingrédient. On a la salade. Il y a tout. C'est vraiment bien pensé. Là, on a les crèmes fraîches. On a les gousses d'ail. Voilà, là, il y a les gousses d'ail. On a les oignons. Vraiment trop bien pensé. Et ça, c'est quoi? C'est du riz, non? Parce que un de repas, ça serait avec du riz. C'est lequel d'ailleurs? Attendez. Voilà, c'est ce repas-là, il y aura du riz. Donc, en fait, ce qui est bien, on découvre aussi. Parce qu'en fait, c'est des aliments que je n'ai pas l'habitude de préparer. Et je me suis dit, why not? Je ne veux pas aller sur des choses que je connais. Je veux vraiment aller tester des repas que je ne réalise pas à la maison. Donc, ça serait vraiment une grande découverte pour nous. Donc là, c'est du riz long, c'est pour ce repas ici. Je veux aussi ouvrir notre box pour que vous puissiez voir. Mais c'est exactement la même chose. Le même contenu. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment la même chose. Là, on a pour la quantité pour 2 personnes. J'ai aussi la grande enveloppe qui a les menus comme dans l'autre. C'est pareil, comme c'est ce que je vous ai préparé, je vous ai montré. Donc je vais tout sortir, choisir les éléments que je vais faire avec. Donc comme vous voyez ici, on a maintenant les 2 pains pour les 2 burgers. Donc dans l'autre box, on avait les 3 pains. Donc c'est exactement le même contenu. Je vais tout déballer et je vais choisir les ingrédients avec lesquels je vais préparer. Je mets de côté et le reste, je range dans mon frigo. Comme ça, demain, je vais décider ce qu'on va manger après. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà tout ce que j'ai sorti, c'est tout ce dont j'ai besoin pour réaliser mes burgers au bœuf. Donc j'ai sorti les pommes de terre, la salade, la viande hachée, les pains, le fromage, l'oignon et la sauce. Donc j'ai même l'affiche juste devant parce que derrière en fait j'ai toutes les instructions pour réaliser ma recette. Donc c'est parti, je vais commencer par laver les pommes de terre, ensuite je vais les couper, après je les mettrai au four. Donc je vous laisse avec les images, c'est tellement facile et en plus l'affiche est là pour m'aider, franchement rien à dire. Alors c'est parti. Et donc là, je coupe mes pommes de terre en forme de frites et ensuite je vais les mettre sur la plaque à cuisson couverte de papier sulfurisé. Et après, je mettrai un peu de sel, un peu de poivre et un peu de l'huile d'olive et hop, dans le four. Alors là, actuellement, j'ai déjà préchauffé mon four à 200-220 degrés et je laisserai cuire les pommes de terre pendant 30 voire 35 minutes. Donc voilà, c'est parti.
Et donc voilà, maintenant que j'ai bien disposé les frites sur la plaque à cuisson couverte de papier sulfurisé, maintenant je vais bien saler. Donc voilà, je vais mettre un peu de sel. Et après, je mettrai du poivre. Mais le poivre, je ne mettrai pas beaucoup parce que vu que c'est le poivre noir, c'est un petit peu piquant. Vu qu'on va manger avec les enfants, bah, je vais juste mettre un petit peu de poivre pour donner un peu de goût. Et ensuite, je rajouterai aussi l'huile d'olive. Et après, hop, au four pendant 30 à 35 minutes. Alors là, maintenant, je vais m'occuper de mes oignons rouges. Je les avais déjà bien lavés. Maintenant, je vais bien couper et ensuite, je vais les faire revenir dans une poêle avec un peu de l'huile d'olive. Et je laisserai cuire pendant 8 minutes comme ça. En fait, l'objectif, c'est que ça soit un petit peu caramélisé. Les oignons soient un petit peu caramélisés, c'est pour mettre dans le burger. Donc voilà. Alors là maintenant, je vais attaquer la vinaigrette. Je vais préparer la vinaigrette. Donc entre-temps, je vais déjà faire revenir les oignons dans la poêle. Et après, je vais essayer de tourner un petit peu. Donc voilà, là je mélange bien mes oignons. Je vais les laisser cuire pendant 6 à 8 minutes. Histoire que ça soit bien caramélisé. Et pendant ce temps, je serai en train de préparer ma vinaigrette. Pour préparer la vinaigrette, j'avais besoin de l'huile d'olive, de vinaigre balsamique et de moutarde et poivre, sel. Malheureusement, je m'étais rendu compte que j'avais pas de vinaigre balsamique. Et du coup, j'ai essayé de fabriquer une sauce à ma manière. J'ai rattrapé le tir. Donc voilà, j'ai mis de l'huile d'olive, un peu de moutarde, un peu de sel et poivre. Puis j'ai rajouté une petite sauce là, histoire de voilà, créer quelque chose quoi. Il faut être créative. J'avais pas eu le temps de checker la liste des ingrédients que moi je devais avoir pour réaliser cette recette. Du coup, j'ai essayé de faire à ma manière. Donc là, je vais rapidement faire la sauce et ensuite je vais continuer les restes. Et donc voilà, la sauce étant terminée, je vais la couvrir avec du papier film et je la mettrai au frais. Pendant ce temps, je continue à faire le reste. Alors là maintenant, je vais m'occuper de la viande hachée. Je veux juste la saler un petit peu et mettre un peu de poivre. Et après, je vais bien mélanger. Une fois que j'ai bien mélangé, je vais maintenant créer des formes de steak, quoi. Je vais les aplatir en forme de steak. Et après, je les ferai frire tout simplement. Ouais, so
Alors voilà, j'ai fait 5 steaks pour nous. Pour nous les grands, j'ai essayé de faire un peu de grands steaks. Et pour les petits, j'ai fait des moyens. Et là, mes oignons sont bien cuits, bien caramélisés. Donc je vais les mettre sur un petit bol. Et ensuite, je vais utiliser la même poêle pour faire revenir maintenant les steaks. Comme ça serait bien cuit. Et puis, il y aura un peu le goût des oignons. Franchement, c'était très, très, très bon. Et je me suis vraiment régalée pendant le repas. C'était délicieux. Donc voilà, là, j'ai enlevé tous les oignons. Maintenant, je vais faire revenir mes steaks dans la même poêle. Comme ça, ça m'évite d'utiliser plusieurs assiettes, plusieurs choses. Donc voilà, l'huile est déjà, la poêle est déjà chauffée. Donc là, je vais mettre mes steaks à cuire. Alors, pour la cuisson des steaks, selon les instructions de la recette, il faut laisser 2 à 4 minutes de cuisson de chaque côté. Mais moi, vu que j'aime bien que ma viande elle soit bien cuite, j'aime pas les viandes saignantes, j'aime bien que ça soit à point. Du coup, j'avais laissé un peu plus de 5 minutes, comme ça, voire 6 minutes de chaque côté. Et là, maintenant, je vais mettre le fromage, le cantal, comme ça, ça va fondre. Et comme ça, ça va bien se mélanger avec la viande. Et une fois que j'ai fini de poser le fromage sur la viande, j'ai mis un petit peu d'eau et je vais couvrir pendant quelques minutes pour que tout ça soit vraiment bien, bien cuit et que la saveur reste bien dans la viande. Et là, je vais checker mes pommes de terre, enfin mes frites. Elles sont cuites. Donc du coup, je vais arrêter le feu. Et vous voyez ça, c'était vraiment trop bon. Rien qu'en regardant, ça me redonne envie de manger ça. C'était vraiment très, très, très bon. Donc voilà, là, mes steaks sont cuits. Alors, la viande est cuite. Maintenant, je vais sortir, je vais les enlever de la poêle pour commencer maintenant à faire les burgers. Alors maintenant j'attaque la salade, je vais la mettre dans le saladier et après je rajouterai la moitié des oignons rouges qui me restaient. Et moi j'ai fait une petite vinaigrette parce que du coup la vinaigrette que j'ai fait selon les instructions, elle était c'était très épaisse. Et du coup j'avais fait la petite vinaigrette moi-même, donc j'ai mis de l'huile d'olive, un peu de vinaigre et du sel et du poivre. Ça allait aussi très bien. Donc voilà, comme j'avais pas de vinaigre balsamique, j'ai utilisé l'huile d'olive et le vinaigre et un peu de sel et de poivre. Donc voilà. Et donc là, après, ça serait vraiment facile. Donc je vais juste faire une assiette. Donc là, je mets ma vinaigrette que moi-même j'ai faite. Et du coup, celle que j'avais fait avec le moutarde et tout, je le mettrai comme sauce dans le burger. Vous verrez, je le mettrai sur le pain. Et c'était aussi très, 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 très bon. Donc voilà, là, je suis en train de mélanger la sauce vinaigrette que j'ai faite. Et après, je vais vraiment attaquer les burgers. C'était bon, j'ai goûté, c'était vraiment, vraiment bon. Ça me donne trop envie, j'ai trop envie de remanger la même chose. Oh là là, quelle torture. Donc voilà, là, je viens de sortir la sauce que moi, j'avais fait avant. Et maintenant, je vais mettre un petit peu sur le pain et ensuite, je mettrai tout le reste.
Donc voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, là du coup, maintenant je mets la sauce que j'avais mis avant sur le pain. J'avais fait avant sur le pain. Et là du coup, je rajoute les oignons, mes oignons caramélisés. Franchement, les oignons rouges, ils sont très 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 bons. Franchement, ça donne beaucoup de goût aux aliments. Et voilà, donc je mets bien les oignons et ensuite je rajouterai tout simplement le steak et après bah, je ferai l'assiette. Je pense que je vais juste faire une assiette parce que de toute façon, c'est pas l'heure de manger. L'histoire juste de vous présenter comment le résultat final. Je ferai juste une assiette pour vous présenter le résultat final. Et tout le reste, en fait, je vais les couvrir avec du papier film et je le mettrai au frais parce que c'est prévu pour ce soir. Donc voilà, là du coup je vais préparer l'assiette, comme ça je vous montre les résultats. Et donc voilà les résultats finaux. Oh là là, ça me donne trop envie rien qu'en regardant. Franchement, c'était vraiment trop bon. Les frites, elles étaient bonnes. Le burger, trop trop bon. La viande, elle était vraiment moelleuse. C'était trop bon. Elle était vraiment bonne, la viande. Et la salade avec les oignons caramélisés et les oignons crus, c'était juste parfait. Vraiment, voilà. Donc là, du coup, je vais ranger les restes. Je vais bien les couvrir avec du papier film. Et donc, voilà. Et pour vous dire vrai, en fait, moi, j'ai pas pu me retenir. Hein. J'ai pas pu me retenir jusqu'au soir. J'avais mangé tout de suite après, avant d'aller chercher les enfants. Je vous dis la vérité parce que ça me tentait trop. Et donc voilà, là du coup je vais juste rapidement laver les assiettes que j'avais utilisées. Et après, bon, vu que c'était presque l'heure d'aller chercher les enfants, je crois qu'il était vers 15h, 15h30 par là. Donc j'avais juste le temps de finir les assiettes, me reposer un petit peu. Après j'étais partie pour aller récupérer les gamins. Et donc voilà, j'ai vraiment apprécié de faire cette recette avec les produits de chez HelloFresh parce que les produits sont vraiment de très bonne qualité et c'est vraiment des ingrédients frais et les repas sont juste trop bons. Mais vraiment, je l'ai dit pas parce que c'est un partenariat comme je vous avais dit, mais c'est vraiment parce que j'ai testé et je suis conquise. Et même avec toutes les recettes que j'ai fait avec les restes de box, vraiment, les recettes, elles étaient très, très, très bonnes. Les repas, c'était un moment de régal total. Mais malheureusement, je n'ai pas pu vous présenter tout ce que j'avais reçu dans ces box, faire les recettes avec vous parce que c'était pour 4 jours. Mais sinon, tout ce qu'on avait reçu, c'était vraiment très bon. Moi, les enfants, mon mari, on a tous aimé. Et donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye! You and me, oh.